Très bien, merci beaucoup. Merci. Dernière rubrique, invité, Poto Kabo Anabino. Merci à vous, les boss Patrick Caribou. Les boss Patrick Caribou, Koloba Flats, Koloba Hotel, la ville à Kinshasa. Les boss Patrick Caribou, bah, des bonnes choses à vous. Je n'oublie pas les grands gérants Moïse Katula, Bambo Tessikozali, grand gérant Moïse Katula. Et puis Nastambumba également, des très très bonnes choses à vous, Nastambumba. Et Sika Boza, Bozolanda Bisso. Merci à ma fille Potencia Balsomi Nekengeya. Potencia Balsomi Nekengeya. Là où tu es, je te souhaite de très très bonnes choses. Potencia Balsomi Nekengeya, ma fille, merci à vous de continuer à nous suivre. Merci beaucoup. Alors, monsieur Doudou, bonjour. Oui, bonjour, Laurent, le maréchal. Oui. Merci pour le plateau d'ailleurs. L'opportunité, ici, ONG Wife. Et l'Obela, où est-ce information concernant fonctionnement et activité. Très bien, merci beaucoup. Alors, vous avez chargé des programmes et des projets à ONG Wife. Moussa Langeza consiste à Nine. Bon, Moussa Langeza, d'abord, vous savez que dans une ONG, on a des activités, on a des projets. Donc, il faut concevoir des projets, les planifier et les programmer dans le temps. Parce que dans chaque année, on a ce qu'on appelle les plans d'action annuels. C'est-à-dire, le rôle, c'est de planifier et de mettre aussi en contact avec les partenaires pour bon, réaliser bah, projet Nabino Bolingbo Sal. Jusque-là, ça va bien? Jusque-là, ça va bien. ONG Wife, combien d'années d'existence? ONG Wife existe déjà dans l'informel depuis une bonne dizaine d'années, mais ça fait déjà quelques années. Depuis pour relancer. Non, où maintenant nous sommes en ordre avec l'État, avec le ministère du tutelle, avec le ministère de la justice, parce que nous sommes maintenant capables de fonctionner dans toute la République, même en dehors de la République. Donc nous sommes déjà une ONG internationale. Très bien, mais comment elle va elle-même, l'initiatrice, l'honorable Christelle Vuanga? Honorable Christelle Vuanga, donc elle va très bien. Samedi, à Zalagira, maman Nyons, il y a Congo, il y a Libanda, l'événement Mounene, David Kekanel, qui peut. Donc, sinon, jusque-là, ça va très bien pour elle, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, monsieur Doudou Bendou. Alors, ONG Wife, c'est quoi l'ONG Wife? Je sais que c'est en anglais, ça veut dire femme. Oui, mais c'est quoi l'objectif Nabino, Salaranini? Quel est le constat qui a été fait pour que beaucoup massico actif sur le terrain? Voilà, l'ONG Wife, bon, là, dans les médias, c'est le temps. C'est juste que ça, le Wife, alors, ça veut dire que woman, ce qui veut dire la femme, clean of empowerment, donc là, intégrer la femme pour, dans l'autonomisation. Donc, moi aussi, à comment autonome, socialement, économiquement, voilà, à s'épanouir, c'est pour l'épanouissement, c'est pour que la femme croit en elle-même, c'est ça la vision. Donc l'initiatrice d'Angouzara Yimro, Madame l'Honorable Christelle, l'ONG a existé avant l'Honorable. L'Honorable, c'est une responsabilité politique, mais les activités à ONG, ils allaient en Angouzara déjà avant Magamba politique. Très bien. Jusque-là, ça marche bien pour l'ONG. Pour l'ONG, jusque-là, tout ça vraiment sur le terrain. Tout ça, la Mboka, tout ça, la Pandé. Très bien. Alors, l'événement avec vous, c'était ce qu'on appelle le Parlement rose. Le Parlement rose en haut, Eza Nini. Parlement rose, Eza Vision. Bon, Moni, Madame Aza, directrice exécutive, il y a structure, et Mgal Aza, responsable, il y a projet, il y a programme. C'est-à-dire, il y a une vision, il y a tout un peu mal et il y a. C'est-à-dire, elle a imaginé parlement moko o ezala 100% femme. Donc o basi ba ovanda ba lobama ba pesa bango parole pe ba lobama kambo o etali bango. Donc mon rien ne to bengi mon souvent quand on utilise rose, c'est souvent ezala. Tra la femme. À la femme, voilà. Ezala parlement. Alors, alinga teza la vision mais a ilistrango sur terrain. Na oyo neto komo menan comme activité oyo salama yi samedi, c'est le rôle la deuxième activité. OK. Il y a parlement rose. Et naite ce qui to kota maman na détail. Ouais ouais, kota il y a pas de problème. Qu'est-ce l'objet a ngoza yini les fonds, qu'est-ce qui s'est passé na parlement rose? Exactement, l'objet moko c'est donner la parole à la femme. OK. Mon article 14
Ils ont la parité, tout ça. Moi, c'est à la carte en Parlement, on a 12% de femmes. La représentativité de la femme est très faible. Mmh. Aider la femme, c'est aider toute la aider foyer Mobimba. Si on peut s'y on a mon bimba aussi. Donc, nous estimons au niveau de la wife que combat, il y a accès à moi aussi. Il y a leadership féminin, donc accès à moi, c'est d'abord poste et à prise de décision. Parce que selon la loi, il faut une loi, il y a mise en œuvre. Pour gratuité, on est comme une parité, on est comme effectif. Mais en attendant, nous devons travailler parce qu'ils ont gâté ma paix à Bissot parce qu'ils sont basabassi. Mais parce qu'elles méritent. Alors pour Bakouk, Parlement rose est ligné que les femmes se soutiennent. Elle veut que les femmes travaillent en réseautage, mutualiser l'effort en Abango. Elle veut que les femmes partent. Elle veut aussi que les femmes bah, soient un cadre pour s'exprimer. Ok, très bien. Alors, Nangagi, avant de continuer, toutes les images condensées, les résumés de ce qu'a été ce Parlement rose. On suit cette image, en tout cas, c'était les images de nos confrères de TP5. Mike Amoka. Ici, Christelle Wanga est presque accueillie en star. Dans son fief de Banda Lungwa, la députée est bien connue, surtout des femmes qui constituent le cœur de sa base électorale. Aujourd'hui, elle vient les sensibiliser au sujet de la nouvelle loi électorale qui sera bientôt débattue au Parlement. Une bataille essentielle pour les femmes. Je reçois des sollicitations pour aider les femmes du Kisangani, du Bakongo, du Maniema, de Lubumbashi. Nous voulons ajouter une contrainte à l'article 13 de cette loi qui consiste à rejeter les listes qui ne présentent pas les candidatures féminines. Et lorsque les partis politiques seront butés à présenter des femmes candidates, en ce moment-là, on aura besoin non seulement des femmes éligibles, mais des femmes électrices. Et ces femmes, aujourd'hui, elles représentent cette partie-là de la société. Direction l'Assemblée nationale, où la députée préside la commission genre, famille et enfants. Mais elle est l'une des rares femmes à y siéger. 90% des députés congolais sont des hommes. Alors pour promouvoir la place des femmes dans les institutions, Christelle Wanga a initié une journée portes ouvertes, appelée le Parlement rose. Pour ouvrir le port de l'Assemblée nationale aux femmes, pour qu'elles sachent que le 10% que nous avons maintenant, c'est insuffisant. En venant ici, parce que les femmes des partis politiques viennent aussi, nous voulons qu'elles comprennent que les parlements, ce n'est pas seulement pour une catégorie des personnes. Même que ce soit pour une catégorie des femmes, non. Elles ont la possibilité et la capacité de venir siéger et d'apporter un changement. Invitées au Parlement rose cette année, des écolières et des étudiantes, mais aussi des maraîchères et des femmes du secteur informel. À la tribune, une succession de témoignages, comme celui de Philomène Oumatoukou, première femme à diriger l'Assemblée sous le président Laurent Désiré Kabila, ou encore Nenette Mukembe, colonel de l'armée de terre. Une façon de démystifier les fonctions ou les secteurs traditionnellement occupés par les hommes. Enfin, le fait que j'ai entendu ces trois femmes parler, ça m'a donné des ailes, parce que la section que moi j'ai décidé d'entrer. Très bien, le Parlement rose. Bomoni Ndenge Zalaki, c'était le samedi, non? C'était le samedi dernier. Une belle initiative. Il y a honorable Christelle Wang a donné la parole aux femmes. Il y a eu le rôle à. Moi, journée porte ouverte pour les femmes. D'abord, Ndeko Maréchal, on a présenté ma excuse parce que. Au moins, sa loi est débordée tellement. Parce que sur telle catégorie, il y a des femmes médecins, il y a des femmes ministres, il y a des femmes magistrats, des participantes. Donc, il y a des femmes de tous les grands, les principaux partis politiques au Bazawa. Donc, il y avait toutes les couleurs des femmes. Même les ministres, j'ai vu une. La ministre, même Yakala. Même Yobabandra Kala. Maman Philomène Oumatoukou, ancienne présidente de l'Assemblée nationale. Donc, au mois de mars, c'est Salamagi Nangome Opena. Alors. Au moins, il y a des gens qui mais tu continues même la chaise et la libanda. Donc, tu sais excuse, il y a au moins 3000 femmes au barataï place. Parce qu'au départ, il fallait les amener dans la salle de congrès. Mais tu vois, ça, on a contenu que 1500 personnes. Ils ont activité à 6000. Tu sais, il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont parce que malgré la pluie. Parce que ça, c'est le cadre. Pour le moment, il y a des gens qui ma couleur politique, sans paix, ma couleur, il y a l'organisation féminine. Très bien. Où ils ont vision à Yemoko. Donc, tu sais, pardon,
peut te remercier surtout ma partenaire pour me soutenir. Parce que il aura boyé ça c'est de la thune hein, et les coûts a été et d'ailleurs les colos hein. Vraiment il aura boyé au moins na ba panéliste wana ba nous sommes allés banda faut nous l'avons babillé d'avion baya ba nous sommes donc il y a un coût et au moins bon, tu as évité ma députée, mais tu as organisé le Parlement Rose Ndengwana. Na koki ko buka lukutate et Rose wapeta ata 14 mois à salaire ya maman. Ok. Donc, nous avons rabongo, donc tout le bagage, 5 ans à sacrifier on a Parlement Rose. Parce que au sale événement boy, na taille ya boy, au sale sango, yo moni, ba média même mondial international, pas Hollande. Donc, ils ont à peu près 14 mois de salaire au maman qui a gagné. Ou au Tchatam Souye, à Bomba. Mais au Tchango, au service, il y a Basi. Voilà, il y a Basi. Pour pas solo là. Au moins, il y a eu Paolo, il a été à Pessi, il y a eu Paolo, il y a eu Moukien à Souka. Donc, le coup, oui. Mais, voilà, tu as salué ma partenaire. Oh, sur, pour le moment, techniquement, il y a eu accompagné dans Obiso. Oui. Et je demande à mon côté de la province. Ok. Tu occupes le pays Moussous. Ok. Comme il y a une vision, donc comme une vision, je suis comme il y a une femme africaine. Oui. Mais tu peux étudier comment même ma expérience dans la province. Car peut-être que dans la poule, mon grand Kivu, grand Katanga, grand Bandundu, dans le niveau de la wife, mais tu es déjà en cours. Mais ma parlement rose parce que tous les joies ma pelle aux alors ma maman ou ma femme babima qui est dans parlement rose bataille satisfaite n'a nion sur les gars qui wana qu'est-ce qu'elles se sont dit pour les aïwana bon et l'eau bama maman balou bagi n'a laurent n'a pas pèse exemple au bien ça n'a pas la basse on souba ou ya mikousse à taille à mikousse à baba licencié n'a pas le marose ya première édition pèse qui tout pèse et bango parole et bien les lots association à basse on a niveau commune à niveau nan nan à niveau à bas par dépend à niveau à fonctionnement là on a né à prise en compte ma cam nous on paye ça basé à bas catégorie ni au somalo baloba devant bas décideur parce que ambassadeur belé bazar bas décideur peu bazar on a mon nom toujours le baloba na coin naie mais à cadre obligation sur toujours le bapé bas conseil bazar donc bas maman baloba qui paye au moins même bas dans lycée au moins même ba étudiante donc ils ont vraiment même ba no bazo mata bazo ba repère bazo ba modèle donc basi balobaki nyonso et talibango très bien entre autres participation na bango na ba poste ba prise de décision et loi ils ala ka respecter ba protocole ba maputo nyonso wana ils ala prise en compte na ba autorité na pour nouvelle loi électorale pays un article est là en 13 et le bien ouais donc bah, parti politique aux angabas si d'accord je ne sais pas au moni maman au moni que parlement rose au moni on qu'ils aient capable de peupler des quartiers sur le terrain donc ils allient yango moni va parti politique unions sont moni PPRD n'ayez des pèses va vendre na kimia on aura le Christian Vong avant si PPRD nouvel élan SID PPC FDC oh na mibali va vendre à penate donc à conférence nationale qui a vendu ça à Bissau. Après conférence, que Batou n'a pas couleur politique, n'a pas différente. Il va vendre à qui mais ça va parler. Parlement rose. Mais ce que Moni va vendre, c'est parce que, à comprendre que les Congolais, même à Kambo, ils ont un mot au Kabo, la Bissau, mais au moins pour la Parlement rose, elle a réussi. Très bien. Merci beaucoup, Ndeko Doudou Bendo. Une question par rapport à l'ONG YFC Koyo. Après Parlement rose, et dans le roi, il y a un logo phare ONG YF et Sali. Est-ce que vous avez ma réalisation aussi au Salah Salah? Quelles sont vos réalisations? Léco Laurent, au Monagui, pour la première fois, tout sang ici, dans le cadre de la journée internationale de la jeune fille, tout sang ici, bah, diplômé d'État Nyons. Avant que vous université, tout bengi bango. Si. Na ba femme leader aussi, bah, matabay sa bango, vie au bakoun. Roi Fassal Kiango, il a parlé du peuple, na ba na Nyons, à basi. Non, maman, il a parlé du peuple. Té. Poya Zarakuna. Té. Donc, Kaboli, plus de 5000 lunettes médicales made in Germany. Okay. Il y a Allemagne. Pour les lunettes, on va dire que ma maman est obligée. L'idée, c'est que ma maman est enseignante. Honorable, il faut mettre les lunettes. Natanga, ça. Mais toi, tu sais, le cola, cible, c'est la femme et la jeune fille. Mais à travers, bango papa, nam, et nous l'avons fait. Parce que, au moins, on a des gens qui ont été parce que, ça, la moté. Kana district naie mon akeza peza ONG mon amta lukunga ze bele muta changwa ze bele bisope batambo amba tuza na petite invitation il y aura encore plus de 5000 lunettes médicales très bien
Donc il y a solo auto kabola gratuitement. ONG ROF tant au bimika na confinement ba mama na so makala bumbu selemba o ya ba petit commerce to relancer ki bango en partenariat avec le fonds des Nations Unies pour la la population bazungi la ba commerce na bango l'ONG ROF toujours formé on a mono ke mona collation ya ya bana basi oyo bazo yé ko la musala pe bazo zo malamo misala to la ki bango make up agence ba bengi peut-être plus ba mba mo misala OK o ka bomoni ba député ya okaba kaba biso toche mo hôtel toche mo hôtel donc ma boka bana été o bengi mo na mo si o la ki se musala très bien le lobby a commune autonome ça wane dans la cadre ONG wife boye moko honorable Christelle yé mo penan de ko honorable Christelle et c'est une mission pour ma même bang mon en koloba intervention mais écoute non intervention na yé oh que premier ministre na gouvernement balimba kwe na kisi na kolo tango lo bapene za te po o mona budget o mona ilunka balinga ko o mona vidéo to moni même o moni même na débat ya débat général sur budget o moni loi oyo ya ba autochtone ba femme autochtone boyeka bozuka forêt ba mama ba kenda bilanga bazan loi ba autochtone ya sali là au moment basaï ba banda qui déjà kalaba personne vivant avec handicap à télémission donc au moni a simbi raison il y a ba abolitionniste au moni ba peine de mort ba te belé te bien ngoté Congo tous avec na 458 condamnés à mort mingi ba bomba ba ngona boulot oui c'est grâce à elle donc 269 bomba ba éviter que ba condamné à mort ya moni ba ndeko na biso ya funa to senga bolimbis ndeko Christelle a comment mokonzi azalaka mokonzi ya ba il y a ba commission parlementaire donc au moins les gars les lois Bukavu Goma au moins même na funa ba au moins les soir dans cadre statut na cadre wana abundi y a un moment même ba yambaki na parlement français oui ba député mais monsieur Basala 5 à Sala ministre 10 fois parlement mona et benga été au moins on aura de Christelle Vonga ba au benga né na ba parlement européen na ba parlement français ayé donc bitumba na moins quand ngayé moi solo ba rendez-vous au sommet mais tu es bien hyper sommé mais niveau pays à zone matelas en plus quand c'est quand t'as sous au insouri mais néné on est quoi bah mon plan là qui limite bah Himalaya bah mon plan là Himalaya donc bah lève le loyer comme premier puis son bateau ça là na yé très bien tu comment au bang là donc yé moko en tant que député au moins même commission genre famille enfant les cas commission parlementaire ils allaient dire non mais au moins là qui bah na 16 jours d'activisme il y a égalité mon équipe artiste nion son comédien musicien a bengé bango pour la sensibilisation pour le makamso mon équipe le leader d'opinion et ça l'amène à payer de commission à payer l'eau à baxi l'on soit l'ingue ok donc il y a sur la simbika et l'eau donc la réalisation et ça donc ça des missions et ça des missions elle n'hésite jamais à prendre parole à Perchoir Assemblée Nationale pour défendre la population Congo Mobimba merci beaucoup alors monsieur Doudou Bendo tu remis pratiquement na souka. Prochaine étape, il y a ONG Wife, c'est quoi? Prochaine étape, il y a ONG Wife et Zali. Nous avons fait ça bien. Bientôt, on relance sur l'étape où il y a la formation. Ok. La formation, on peut s'amuser à la surprise. Maréchal, imaginons que vous avez 200 femmes formées à une auto-école professionnelle. Au pénal, que soit Azui permis de conduire et que même l'Union européenne va engager à Kumba Mutuka. Et ça, l'année, non, mon angoté. Baye, bah, on pète. Attendez, baye, bah, on va croire pour ça, l'angoté. Pour un moté, moi, ça, l'angoté. T'as formé, bah, si, les lona, make-up. Mon, ils ont, ah, make-up. Donc, moi, ça, vandika, boitan, en d'accord, bah, bengi, aïe, pour pas mon conti, mon, à salim, ça, à juste $50, n'a, tchè. Moi, mon balo, ça, la nette. Ça, c'est une bonne idée. Donc, on est ça, bah, logo, déjà, ils ont salama, en angot, déjà. Bon, voyez, mon cocasse, honorable. T'es au bon de la paix. Prochaine étape, n'a, prochaine étape, déjà, n'a, n'a, commission, au camba, mais, nga pena na osenge au moins même na mission na bigena leka na nga mona leka na ebisi pe na pema pour nzote za nzote ba député mususu hein na osenga pe ba voter ta mo lomo ba député le roi bango hein moi bende ko lesé moi bande ko kalonge ba futa ma ta fois 3 pourquoi mais yé mon nous c'est ici na on kana ki de ba député mususu ne ba pesa na bango moitié OK net honorable Christelle ba ko pesa ta mo salaire wana fois 3 fois 2 fois 3 poétique à la rapé ponyoso merci beaucoup na bolingwa bato très bien balinga pe populaire balinga pe ba ndeko pe ndeko na ta mo le kisa mais on dit wife comme le nom le dit wife donc ils ara pour na basika bon ils ara pour na basi mais quand on a dit que moi, tant que j'ai aidé maman dans le commerce,
Bon, si tu as été qui t'en aux hommes, attends, voilà, mais non, on laisse à Bana. Mais c'est Bali, mais c'est papa. Mais ton bangla est papa. Au repasser, allez, à ceux qui n'ont pas appelé. Ok, ceux qui n'ont pas appelé. Maman a maillé l'habitude d'appeler sa papa, mais papa m'a appelé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, monsieur Doudou Bendo. Lilo Basuka, en une minute, peut-être un numéro de téléphone. Et puis, pour nous adhérents, parce que, au moment où tu as l'administration, tu as fait une expertise, tu as une fiche, tu as une infographe, tu as une banane, tout ça. Moni lelo et comment faire, tu as un média dans le biso. Donc, d'abord, on a remercié les volontaires. Nous sommes les ONG, nous sommes les membres, c'est un staff permanent. Oui, oui. Mais tu as fait volontaire de manière ponctuelle, à chaque fois qu'il y a un projet, il y a un presté, on a un biso. Tu as fait un merci, tu as fait un sa sécurité, tu as presse. Ou bien qu'on couvre les cambours, tu as fait un partenaire. Surtout, Royaume d'Espagne, Royaume de la Suède. Quand on a imité le Royaume, comme tu l'as dit, c'est le Royaume de la Norvège à travers iPass, ambassadeur à Canada. Non, mais parce qu'elle, c'est une reine. Il faudra avoir un royaume. Vraiment. Donc, l'Assemblée nationale, papa, secrétaire général de l'Assemblée nationale de Bissau Mbote, Pepe Mbosso, surtout au lobby Kaboué, au PCBISO. Au PCBISO Espace, un cadre. Pepe Bandeko Nyon sur la commission de la Bango, genre famille et enfant. Pepe Bassi Nyon, tu as à peu près 63 associations, un abat structure féminine. Tu as à peu près 33 parti politique. Pour les acquis dans la Ligue des femmes. Ma maman est sur la Ligue des femmes. Très bien. Ton PCB nombre. Tu as à peu près. Donc, le baka ministre genre il y a université au bail biso ba étudiant d'abord tout limité qui nombre parce que ce bail qui ben ba dit débordement il n'a pas débordement to sengi pe parce que balobi que maman l'état au sengi était comme on a ya yé ba ba tikla son 5 éditions biso mon wife to salango to panza on a province pour to kabela on comme patrimoine à l'état. Merci beaucoup. Nenge ba Bango ma fou, bah, comment ben yango ni bakoura et koma, bakoura, bamasa et koma, aokabane yango, mais pardon de quoi, rapidement, pour s'en aller, maman, quoi, n'a pas le maros, oh, ton aura qui moi, si mon quoi, première femme, ingénieur civil à Congo, directeur à la GKMI, première femme, mon condi assemblée nationale. Donc, à celle pété, il y a tant Mouza Koufa, maman Philomène, au Matouko, à sa père famille politique, n'a pas sa père génération, n'a pas sauté, mais. Azaki on aurait tout bimisi et sous moukile mouna ouya salaki. Donc mon petit na wife. Très bien. Donc on aurait moi si ton bazan pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dodo Bendo, numéro de contact. Numéro de contact na biso. D'abord l'adresse. Oui. Tout dans le siège na biso. Avenue Ikelemba 32. Ikelemba 32. Commune de Kasavubu. Okay. Donc entre direction Gambela P Éthiopie. Et numéro na biso à contact 081 699. Oui. 2178. Okay. Donc 081 699 2178. Okay. Ce qui bouillait, Dolini n'a même pas organisation sous partenaire, bouillait tout travail, bah projet sous en commun. Très bien. Tout ça ouvert, na bande de tout travail pour Kaka, Moussala. Et Kendeli Bosso. Merci beaucoup, monsieur Doudou Benda, chargé de Bendo. Bendo, comme Bendo sonne. Hein. Par exemple. Doudou Bendo, chargé des programmes et des projets de l'ONG WIFE avec l'honorable Christelle Vuanga. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. J'ai dit également un grand merci à l'honorable Christelle Vuanga. Ici Kazali, Topesi, Bambote, Ebele, Ebele. Donc, on va continuer toujours dans nos bonnes initiatives pour le développement Yambo Cannabiso Congo. Merci donc à vous, l'honorable Christelle Vuanga. Merci à monsieur Richie Massika, Bambote, Ebele. Merci à maman Olivia Djembe, toujours à Paris. Louis Vandom, Bimistique, Louis Vandom, Bambote, Ebele, Sigozali, ba bonne guérison, na yo. Louis Vandom, Bimistique, Bambote, Ebele. Une fois de plus, le président Osea Diallo. De très très bonnes choses à vous, le président Osea Diallo. Alors, je vais chiter, demain je serai une fois de plus avec vous, mais le vendredi, je m'irai Torobima un peu dans le contexte local, ou bien contexte à Congo, contexte à Kinshasa. Je suis en quête d'un invité, tout en pour parler, pour Natolo Belapé, toi instruire P, Banderonabiso Moussousou, par rapport à ces, aux élections qui se passent en France. Vous voyez qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen, dans le deuxième tour où ils ont prévu le 24 avril, et puis le 20, ils allaient débattre à Fara Fara. C'est vendredi, je vais essayer de parler de ça avec un internationaliste
Toye bape banje, to solango, mwandambu, et au salabiso, vrai bien. Donc, qui nous matin, c'est comme ça, n'est-ce pas, Sarabino. Allô, ben, soit, puis, comme, bononani. Et pas, n'abiso, anezate. Merci, Maïka Mwaka. Merci au chief Jean-Pierre Jondi. Mon cozy, chief Jean-Pierre Jondi, merci à vous. Maïka Mwaka, merci. Freddy Takidi, merci. Gaïta Kanda, Mikonjoli, Kouparbola, Joël Pembele, Pati Tsumbu, Gimputu, merci à vous. Que la paix du Christ règne dans nos vies. Et les programmes continuent sur votre chaîne. Merci.